Hello, c'est Ludivine de la Discologue Blog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous présenter la nouvelle palette d'Urban Decay, la Born to Run. Elle est sortie au début du mois sur le site de Sephora et elle a été en avant-première et du coup elle était disponible que pendant 24 heures. Et depuis vendredi, le 20 juillet, elle est ressortie sur le site en tant que vente. Du coup, je me suis dit que ça aurait pu être une bonne idée de vous en faire une revue pour savoir, pour faire une idée de la palette, si vous voulez l'acheter ou non. Alors du coup, on commence aussi par le packaging et elle se présente dans une boîte noire toute simple avec le logo Urban Decay devant et le nom de la palette Born to Run. Derrière, on a les couleurs, les 20 couleurs de la palette avec leur nom. Ensuite, on a le petit texte et du coup, le texte, il dit... Vous vous évadez le temps d'un week-end, sillonnez les routes ou partez à l'aventure, peu importe vos projets et votre destination, Born to Run est la seule palette que vous avez besoin d'emporter dans vos bagages, avant de vous éloigner sans vous retourner. Des teintes neutres mates pour vos réunions à San Francisco, aux nuances bijoux métallisés pour votre escapade à South Beach ce week-end, en passant par les tonalités profondément charbonneuses pour votre dîner en amoureux du samedi soir. Vous trouverez votre bonheur, quelle que soit l'occasion, abritant 21 teintes soigneusement sélectionnées, un gigantesque miroir et un espace pour coller vos propres photos de voyage. Born to Run vous invitera à oublier la réalité, alors emparez-vous de cette palette. Vous l'aurez compris, c'est une palette qui incite au voyage avec des couleurs aussi belles les unes que les autres. Et du coup, le packaging, c'est un des plus beaux packaging que j'ai de toute ma collection. Et sans vous mentir, il est comme ceci et il y a plein de photos de voyage. Du coup, comme vous l'avez vu, comme vous pouvez voir, il y a San Francisco ici, il y a la Grèce, il y a l'avion. C'est franchement... une des plus belles palettes que j'ai de toute ma collection. Et du coup, quand on l'ouvre, alors déjà c'est une palette en dur et aimantée. Alors quand on ouvre la palette, il y a un grand miroir que je ne montre pas parce que sinon vous allez voir tout ce qu'il y a autour de moi avec le maquillage. Et c'est franchement pas très beau à voir, je vais avoir du rangement à faire après. Juste en dessous, il y a les 21 fards à paupières qui sont disposés sous 3 rangées. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 niveaux de texture. Il y a des mattes comme ceci. Il y a des pailletés et il y a des métalliques et des satinés. Dans la palette, il y a 21 fards à paupières de 0,80 g. Et j'ai fait ma petite recherche. Dans les palettes Naked, il y a entre 1 et 1,3-1,30 g de fards. Tandis que dans les vis, c'est à peu près pareil. On en a un peu moins que dans les Naked, mais au même niveau que les vis. Et de toute façon, il y aura toujours plus de fards à paupières que dans les Naked. Alors le prix, il s'équivaut et il n'y a pas vraiment d'énormément de différence. Je vais ensuite passer au maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. Mais j'en ai déjà réalisé 3 avant cette vidéo et sont sur mon compte Instagram en photo. Du coup, je vous mets mon nom juste ici et vous n'avez qu'à aller voir si ça vous tente. Et tout de suite, on passe au maquillage et on se retrouve juste après. J'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Du coup, on va tout de suite passer aux yeux et j'applique tout d'abord la base à fard à paupières de Fenty Beauty qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, début du mois je crois. Pour unifier ma paupière et pour pas qu'elle colle en fait pour le maquillage, je vais appliquer une couleur neutre. Du coup c'est la Breakaway de la palette de Urban Decay et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je vais appliquer la couleur Riff de la palette. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière avec un pinceau estompeur. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une couleur qui est déjà hyper pigmentée et qui est assez facile à travailler. Elle est tellement pigmentée qu'en fait, vous pouvez voir sur mon pinceau, le pinceau était tout blanc avant et maintenant il est déjà tout brun. Un pinceau un peu plus précis et on va prendre la couleur Baja,
c'est vraiment une couleur que celle-là, franchement, je l'adore. C'est une de mes couleurs favorites dans la palette. Juste au-dessus de la couleur qu'on vient d'appliquer. Après avoir estompé, je prends le pinceau E132 que j'ai utilisé tout à l'heure pour la couleur Baja et je prends la couleur Elride que j'applique au coin externe de l'œil. Le violet est vraiment magnifique, je l'ai encore jamais utilisé. Et je remonte doucement dans le creux de la paupière, créer cet effet d'ombre. Après, je reprends le pinceau E128 pour estomper le tout. Petite anecdote, des fois, j'estompe tellement beaucoup que quand je me démaquille, j'ai toujours la marque du maquillage, à force d'avoir estompé. Je prends ensuite le pinceau E131 et je reprends la couleur Breakaway et je vais l'appliquer sur le restant de la paupière mobile. Ensuite, je prends la couleur Guilt Trip et je l'applique au doigt que je viens d'appliquer la couleur Breakaway. Tout ce qui est couleur pailletée ou métallique, j'aime bien les appliquer au doigt en fait pour qu'il y ait plus d'intensité parce que des fois ça a du mal en fait à attraper avec le pinceau. Et au lieu de faire des bêtises, alors du coup je commence tout de suite avec le doigt et c'est bien plus simple. Une fois que j'ai appliqué la première couche, ce que je fais c'est que j'aime bien prendre du spray fixateur. Du coup c'est le Fix and Matte de MAC Cosmetics. Je vaporise mon doigt. Si je l'ouvre ce serait bien. Du coup je vaporise mon doigt. Et je reprends la même couleur et je le réapplique au même endroit. Et là tout de suite, il y a plus d'intensité. La première fois j'utilise cette couleur et franchement, elle est pas mal, j'aime bien. Ensuite je prends la couleur Stranded avec un pinceau, je crois qu'il n'y a pas de référence sur ce pinceau. Non, c'est un pinceau de chez Primark. C'est un petit embout comme celui-ci et du coup je prends la couleur Stranded et je l'applique dans mon coin interne. Et je remonte jusqu'où ce que j'ai pas mis le violet. Et avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, le E131, le plat, je reprends la couleur Breakaway que j'avais appliquée sur ma paupière mobile et je l'applique sous le sourcil. Un effet ainsi que mes lèvres. Du coup maintenant on peut repasser aux yeux et je vais prendre un pinceau plat, donc je n'ai aucune information dessus. Je les avais achetés il y a très longtemps sur Amazon, du coup je n'ai plus aucune idée de c'était quoi leur marque et tout. Alors je reprends du coup un pinceau plat comme je l'ai dit et je reprends la couleur Baja, orange magnifique, et je l'applique au ras de cils inférieur. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau de la gamme Aura Studio et c'est le E134 et je prends la couleur Big Sky, le bleu vert magnifique, et je l'applique juste au ras des cils, mais vraiment au ras des cils. Mes yeux sont enfin terminés, il ne reste plus qu'à leur ajouter leur couche de mascara et on sera... D'abord je recouvre mes cils, c'est vraiment l'étape nécessaire pour moi parce que j'ai des longs cils mais qui sont pas assez recourbés.
Pour le mascara, c'est le Worth the Hype de NYX Cosmetics que j'applique. C'est vraiment un mascara que j'adore, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté. Voilà pour ce maquillage avec la palette Born to Run de Urban Decay. C'est vraiment pour moi une palette vraiment très belle avec des fards pigmentés et faciles à estomper. J'aurais aimé pour certains fards qu'ils soient un peu plus pigmentés comme le Breakaway ou Blaze il me semble. Oui c'est ça, c'est la couleur Blaze que j'aurais peut-être aimé un peu plus pigmentée. Sinon la couleur Baja est vraiment une couleur que j'adore, je pense que c'est sans doute ma préférée de la palette. Comme j'ai dit, les fards à paupières sont faciles à appliquer, mais il y a certains, il faut plus penser à les appliquer aux doigts, notamment pour les métalliques. C'est vraiment une étape, pas forcément, je dirais pas obligée, mais vraiment une étape nécessaire si vous voulez de l'intensité dans votre maquillage. Je dirais pas qu'il vous la faut à tout prix parce qu'il y a des palettes qui ont les mêmes couleurs. Mais c'est vraiment une palette qui est très diversifiée dans ses couleurs. Enfin, je veux dire, dans les palettes Urban Decay qu'on a vues, à part les vis ou la distorsion ou les palettes un peu spéciales qui sont sorties, les naked sont toujours autour d'un même thème. Et du coup, on n'a pas forcément beaucoup de choix ou de maquillage à faire. Avec toute cette couleur, on a plus de choix pour faire des maquillages de jour comme de nuit. Et c'est vraiment diversifié pour tous les styles de maquillage. La palette Born to Run de Urban Decay coûte 49€ sur Sephora et sur Urban Decay. Et pour moi, elle le mérite amplement son prix. Parce que c'est une palette qui est très diversifiée dans les types de maquillage qu'on peut réaliser avec. Les couleurs sont très pigmentées et très faciles à appliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autant de rouge à lèvres de jour que de nuit. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans une palette. Et voilà, on a terminé avec la revue de la palette Born to Run d'Urban Decay. J'espère que cela vous a plu tout comme je l'ai autant aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à continuer. Et si vous ne voulez louper aucune de nos prochaines vidéos, je vous propose de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonné et activer toutes les notifications, comme ça vous serez au courant de nos prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais de gros bisous.